Du congrès pendant des années, jusqu'à très peu de temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir la galerie dans le Vieux-Nice. Alors pourquoi le Vieux-Nice ? Le Vieux-Nice, c'est le cœur de la vie artistique niçoise depuis des années. Il y a un an à peu près, il y a eu une exposition, une très belle exposition au Palais Lascaris, qui s'appelait Vieux-Nice Bouillon de Culture, qui rappelait combien de d'artistes ont commencé dans le Vieux-Nice, combien d'artistes ont eu leur atelier dans le Vieux-Nice. Il y a eu des galeries qui sont ouvertes il y a bien longtemps, et notamment cette de Frédéric Altman, de la préfecture, que je salue. C'est dans le marginal. Que tu as bien défendu, Nicolas Font. Donc beaucoup d'artistes, mais le Vieux-Nice, c'est pas uniquement le passé, hein, c'est aussi le présent. Beaucoup d'artistes ont encore leur atelier ici. Je salue Paul Nicoli, je salue Nivez, derrière moi, dans son atelier, Jean-François de l'atelier 135, j'en oublie certainement. Non, il n'y a pas besoin de dire en film. Et je salue également les galeries, de nombreuses galeries qui sont rue droite. Je salue la présence de ma collègue de la galerie Gravis juste à côté, du Vieux-Nice. Je salue la présence de tous les artistes de la galerie, comme Guido Palmero, Gabriel Martinez, Véronique Guerrieri, je ne sais pas, je ne vous vois pas. Et Jean. Le meilleur pour la fin. Elle est là, hein. Elle est là. Monique Thibaudin, Francis Cuvy, je remercie. Monsieur Sassier aussi, qui a d'autres que je voudrais oublier personne, ni verser personne, mais vous êtes très nombreux ce soir. Je salue évidemment Virginie, ma compagne, qui m'a beaucoup aidé pour monter cette galerie en quelques jours, et qui est également artiste, Virginie de Saint-Méard, et que vous pouvez voir les œuvres dans la petite entre sous l'escalier. Mais évidemment, je n'oublie pas Jean Masse. Jean Masse, grand artiste de l'école de Nice, il est l'artiste du peu, du presque rien, voire de l'absence, comme ses cages à mouches, son œuvre rendue à titre vers 1976.
il y a quelques années. Et Jean Masse, lorsqu'il pense qu'un personnage artistique, de la vie artistique niçoise a assez d'humour pour le mériter, Jean Masse décerne le titre de membre de l'ordre de la Cage à Mouches. Et nous avons ici déjà deux membres de la Cage à Mouches. Alain Amiel, qui a été là. Pardon ? Ah oui. Frédéric Hattemann. Gilbert Grisoni, je ne sais pas s'il est arrivé. Tu as oublié la librairie. Alors, il y a également des lieux qui sont membres. Ah, oui. Ouais, je crois que c'est ta galerie qui a été décorée de l'ANSI. Jean Masse, donc, m'a insisté pour que ce soir, il me décerne l'insigne de commandeur de l'ordre de la Cage à Mouches, et je ne pouvais pas résister, évidemment, j'ai accepté. Alors, applaudissons Jean Masse, artiste économique, et Jean Masse de la Cage à Mouches. Ah, il a du chien. Bien, le pourquoi de ce bâton, ce n'est pas pour frapper les esprits peut-être, mais ils m'ont demandé au départ de venir avec une massue. J'ai pas trouvé de massue, j'ai trouvé le bâton pour faire quelque chose à bâton rompu. Mais pourquoi le massue? Parce qu'ils m'ont dit, ben après on aura la représentation technique d'une mouche que tu pourras écraser. Mais elles seront grosses et il faudra quelque chose de fort. Bon, ça va être une surprise. Mais j'ai pris le bâton parce que le bâton, ça me paraissait, je n'avais que ça. Alors, pas de massue, parce que masse, su. Masse, il transpire des fois d'art et d'un savoir. Et tout ça, ça se mélange un tout petit peu, quoi, avec l'histoire du peu. Bien, il y a beaucoup de choses. Il y a des sculptures, il y a des peintures, il y a des gestes, il y a de la musique, il y a des il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5, il y a jusqu'au 15. Nous sommes le 15. 1515. La bataille de Marignan. C'est dans toutes les têtes, dans la plupart des mémoires. 1515 fait partie des mémoires. Mais, moire à moi, les moires, ce sont des divinités grecques. Les moires sont au nombre de trois. Et pour moi, ces moires, celles qui filent, celles qui coupent, celles qui rassemblent, mémoires m'ont toujours guidé dans mon travail. Elles ont entouré, elles m'ont guidé. C'est elles, les moires, qui président à nos destinées. Bien. Bon. Habituellement, quand je dis bon, je jette des bonbons. Mais là, il n'y en a pas pour le moment. Je dis bon que nous sommes ici dans un lieu historique. Et nous marquons, grâce à vous bien sûr, à Guillaume et à vous tous, nous marquons une page, une future page de l'histoire de l'art. C'est une première qui prend date au milieu de ces voûtes qui nous envoûtent. Elles nous envoûtent par la prégnance de l'art, par l'art qui est là et qui exulte de toutes parts. C'est un passé. Nous sommes au milieu de ces voûtes et il y a bien sûr le passé de ce lieu, de cette discothèque, de ce lieu de rencontre, de ce lieu niçois. Et ce savoir du pas, bien sûr, c'est le savoir du passé. Le passé. Et que s'est-il pas? Eh bien, on m'a dit, bon, est-ce que là, ça va intégrer l'esprit de l'école de Nice? Sans doute. Et Guillaume a rajouté, est-ce que l'école de Nice va renaître de ses cendres? Je rappelle qu'en 2010, j'ai brûlé
La crèche de l'école de Nice. Au musée Rétif avance. Au musée Rétif avance. On a avancé comme ça pour marquer la fin de cette histoire d'école. Et après l'école, on est passé à autre chose. Est-ce que ça collait bien? Est-ce que l'école, elles ont bien tenu avec le temps? Voilà le discours qui s'est délié avec l'école. Et après avoir mis le feu à cette crèche, qui était l'équivalent, qui était une mangeoire en fait, hein, la mangeoire, en 2010, nous avons pris les cendres de l'école de Nice et nous avons mis ça dans des bocaux et on a fait une distribution et une vente de multiples de cendres. C'était en 2010, descendre. Descendre, c'est important. Ici, il y a cette descente. Donc, descendre ici, nous sommes tous là avec cette image de cendre que j'ai autour de moi. Nous sommes tous des cendres en devenir peut-être. Il suffit de descendre quelque part et nous allons comme ça, Caïn, Caïn, pour pouvoir poursuivre dans cette idée-là qui ne pourrait pas se retrouver parce que les retrouvailles sont à terme ce qui conviendrait le mieux dans cette histoire d'un passé qui marquerait au point d'une aventure qui n'est pas la nôtre mais qui irait bien au-delà d'une histoire d'art qui serait prérogative dans cette construction d'un édifice que nous pouvons ne pas que soutenir mais faire en sorte que bien longtemps et cela à travers mais seulement il faut bien percer qu'en montant un escalier c'est faire attention à toutes ces marches, c'est les démarches que nous faisons pour avancer continuellement dans une créativité que nous imposerait un cadre qui serait le nôtre mais qui n'irait pas complètement pour trahir ce qui se fait et ce qui se dit mais il suffit bien de parler et d'assaisonner les choses pour ne pas s'arrêter qu'à un cas car moi je vous le dis en vérité ces choses là se marquent et sont bon écoutez. Fait une demi-heure comme ça à titre de performance lors d'une conférence à l'université et puis après crier ça suffit. Incroyable. Pas parler pour rien dire. Parler pour rien dire, oui, ça me plaît beaucoup, je le fais de plus en plus. Mais voilà, maintenant c'est un moment important parce que je vais avoir le plaisir, moi, En tant que grand maître de l'ordre de la cage à mouches, je vais bien sûr nommer Guillaume comme commandeur de l'ordre de la cage à mouches. Je vais lui remettre l'insigne. Guillaume, j'ai l'honneur et le plaisir de te nommer dans l'ordre de la cage à mouches commandeur. Merci Jean. Que dire d'autre sinon que je suis très heureux ce soir que vous soyez tous présents, que vous soyez apparemment tous surpris par cette galerie et que vous ayez apprécié le discours de Jean. On va pouvoir passer à une deuxième étape de la performance de Jean dans la rue, à côté du pianiste, où Jean va écraser des mouches. Et ensuite, le buffet sera ouvert avec du champagne pour Frédéric Atman, qui est un amateur de champagne.
Je voulais juste également remercier le restaurant Teresa de cuisine niçoise qui nous a préparé des pizzas à la dière et des pizzas. Et qu'est-ce que j'ai oublié de remercier également? Oui, le pianiste évidemment de dehors, Steve Masson, que vous connaissez certainement parce qu'il joue dans la rue Place Masséna. Un très très bon pianiste qui m'a fait le plaisir d'accepter de jouer ce soir. Et on l'a mis dehors parce qu'à l'intérieur, ça aurait fait trop de bruit. Et là, c'est une petite musique d'ambiance, c'est parfait. Voilà mes amis, merci beaucoup. Et on continue la performance dans la rue. Frédéric, il n'y aurait plus que toi. Est-ce que je pourrais avoir une pensée pour Jacques Lepage, qui a vécu dans le vieux Nice et qui a inspiré l'école de Nice? Alors, une pensée pour Jacques Lepage. Merci. Merci. Si vous voulez, on va passer dehors. Allez, vous pouvez vous rafraîchir, il n'y a pas de problème, le buffet est ouvert.